Bienvenue aux auditeurs et spectateurs pour cette célébration à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, à la Basilique de la Résurrection. Sa Béatitude, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, s'apprête à y célébrer sa première messe dans ses nouvelles responsabilités. Hier, nous avions la joie à Jérusalem de l'accueillir dans cette même basilique de la Résurrection à l'occasion de ce que nous appelons son entrée solennelle, une intronisation à ses nouvelles responsabilités comme patriarche, évêque de cette église mère de Jérusalem, évêque pour l'église catholique romaine. Jérusalem a beaucoup d'autres évêques. Il faut compter qu'en Terre Sainte, cette mosaïque de chrétiens se rassemble sous l'égide de 13 confessions chrétiennes différentes. Et Jérusalem compte 3 patriarches. Dans l'ordre protocolaire, le premier des patriarches, c'est le patriarche grec orthodoxe, actuellement Théophilos III. Puis vient le patriarche des Latins, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, donc récemment nommé à cette fonction par le pape François le 24 octobre dernier. Enfin, l'autre patriarche, c'est le patriarche des Arméniens apostoliques, Monseigneur Nouhan Manougian. Mais aujourd'hui, toutes les églises gardiennes du Saint-Sépulcre, et elles sont 6, ont donné leur permission pour que l'église catholique romaine, représentée ici par les franciscains de la custodie de Terre Sainte, puisse célébrer cette messe exceptionnelle, hors calendrier, hors horaire même à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre pour accueillir notre nouveau patriarche. Il s'apprête à entrer vers le chœur, entouré d'une petite délégation de prêtres du diocèse, de chanoines de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre, de son évêque auxiliaire à Jérusalem, Monseigneur Marcuzzo, et du custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. Vous pourrez voir que le custode de Terre Sainte porte la mitre, parce qu'effectivement, quand il n'y avait pas eu encore de restauration de ce diocèse, c'est le custode de Terre Sainte qui faisait fonction d'évêque pour les Latins en Terre Sainte. Il porte la mitre, mais il porte surtout le très beau titre de gardien, custode, gardien du Mont-Sion et du Saint-Sépulcre. Les orgues annoncent l'arrivée de l'assemblée devant un édicule, la tombe du Seigneur, qui est quasiment vide au milieu de la rotonde. Enfin, la tombe elle-même est véritablement vide puisque le Christ est ressuscité. Mais c'est l'Église qui, elle, est vide en ces temps de pandémie qui nous vaut de devoir conserver pour tout le monde, comme vous pouvez le voir à l'écran, le masque et autant que possible les distances nécessaires pour le soin de tous. À l'image, nous voyons le custode et voici Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, nouveau patriarche des Latins de Jérusalem. Hier, il est passé d'un simple trône, le fait de l'histoire, à la cathèdre, le trône des évêques, en prenant possession de sa basilique, le Saint-Sépulcre. C'est ce que nous avaient montré les images de la célébration de son entrée solennelle. Monseigneur Marcuzzo lui avait également remis le bâton pastoral, signe de sa charge. L'évêque de Jérusalem, quand bien même il porte le nom de patriarche pour des raisons historiques, celle du concile de Chalcédoine en 451 qui créa 5 villes et sièges patriarcaux, Antioche, Constantinople, Jérusalem, Rome et Alexandrie, est en définitive un évêque comme les autres,
En revanche, c'est son église qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisque c'est l'église mère, c'est là que se sont déroulés les événements du salut. C'est le lieu, ce Saint-Sépulcre, où toute l'église prend naissance, c'est le lieu de la source de notre joie. L'introïte de la messe. Je suis ressuscité et je me retrouve avec toi. Ta main s'est posée sur moi, ta sagesse s'est montrée admirable. Alléluia. Voici les paroles du texte latin de l'introïte de la messe du jour. Pax vobis et cum spiritu tuo. Fratres, agnuscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotente et vobis fratres, quia nimia in cogitatione verbo opere mea culpa, mea maxima culpa, ideo preco beatam aliam sempre virgine, omnes angelus et santos, vos ades, orare pro me, ad dominum Deum nostrum. Precibus et meritis beate Maria sempre virginis, santorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium santorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens et emendationem vitae, perseveranziam in bonis operibus stribuat, vobis omnipotens et misericors Deus, et dimisis omnibus peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen.
Celsis Deo. Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons ici sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Notez le petit mot ici, le privilège des sanctuaires de Terre Sainte, où nous célébrons sur les lieux du salut, l'avènement du salut en Christ. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts.
Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا كلام الرب Alléluia Alléluia, 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 Alléluia. Confitemi in Domino quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius. Dicant nunc Israel quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius. Nunc domus Aaron, quoniam in seculum misericordia eius, et in nomine Domine Cidieos, dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini... Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes mort avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Amen.
Christ, notre Pâque, immolé, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Dominus vobiscum, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'évangile va être proclamé par frère Georges, qui est franciscain de nationalité syrienne. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend à ce tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier à ce tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ad mortuis resurgere. Verbum Domini. Brother Leopoldo Girelli, Apostolic Delegate in Jerusalem, Mauro Lalli, Representative Apostolic Nunciature in Jordan,
Bishop Youssef, our brother, I see also our brother Naum, most welcome, and congratulations also for you, new appointment. I understand you. The consul, all brothers and sisters. At the official beginning of my new service, En ce début officiel de mon nouveau service, je viens en ce lieu pour demander le don de l'Esprit qui soutient toujours l'Église, afin que vous et moi soyons également soutenus au début de ce nouveau ministère. Pasteur Forma Gregis, quelle forme, quel modèle ! Ce n'est pas un hasard si ce nouveau ministère commence ici, à la Basilique de la Résurrection, et si on y lit l'Évangile de la Résurrection. Et c'est précisément à la lumière de cet Évangile que je voudrais que nous voyions ce nouveau ministère et notre Église. Que signifie pour l'Église de Jérusalem aujourd'hui la rencontre et le témoignage du Seigneur ressuscité? Que signifie être Église à Jérusalem? Et quelle est l'interprétation? Puis-je en donner, moi qui suis appelé à en être le berger? L'Évangile parle de nuit et d'obscurité, qui pourtant ne font plus peur, car elles sont sur le point de céder la place à la lumière du matin imminent. Il parle d'une pierre lourde, mais qui est roulée et ne bloque plus rien. Il parle de disciples qui courent. Il parle de linceul, symbole de la mort, linceul qui n'enveloppe plus personne. Il parle des yeux qui voient, il parle des cœurs qui croient, et il parle des Écritures révélées à la pleine compréhension de l'homme. C'est un évangile plein de vie et d'enthousiasme, et il parle de nous. L'Évangile nous demande de ne pas nous enfermer dans nos chambres hautes, de ne pas mesurer nos vocations ecclésiales à nos peurs personnelles ou collectives. Mais il nous invite à voir la réalité ecclésiale de Jérusalem, de notre Église, à la lumière de la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Nous sommes l'Église du Calvaire, c'est vrai, mais c'est précisément sur le Calvaire, du cœur transpercé du Christ, que naît l'Église. Le Christ sur la croix n'est pas seulement un rédempteur souffrant, mais surtout un rédempteur aimant et miséricordieux. Nous sommes donc aussi l'Église de l'amour, qui ne dort jamais, qui veille continuellement et qui sait pardonner et donner la vie, toujours, sans condition. Nous sommes l'Église du Cénacle, mais pas du Cénacle aux portes verrouillées et des hommes paralysés par la peur. L'Évangile parle de disciples qui courent à la rencontre du ressuscité. Le Cénacle est le lieu du Christ ressuscité qui va au-delà des portes closes et donne l'Esprit et la paix. Il nous demande donc d'être une Église qui transcende les murs et les portes closes, qui croit, proclame, construit la paix, mais pas à la manière de ce monde. En effet, nous avons trop vu d'annonces de paix trahies et bafouées. L'Église devra construire la paix qui est le fruit de l'Esprit, qui donne vie et confiance, sans cesse renouvelée, qui ne se lasse jamais. L'Esprit de Pentecôte a donné naissance à une Église diverse, entrelacement de cultures et de langues, mais toujours unie, avec un seul corps et une seule âme. Aujourd'hui, nous sommes nous aussi une Église dispersée sur un vaste territoire dans lequel les différentes cultures et langues sont parfois tentées de se replier sur elles-mêmes. Nous sommes appelés à l'unité, mais pas à l'uniformité, ce qui est bien différent.
Nous voulons être une Église unie, sans frontières, accueillante, capable de grandir et d'aimer dans la diversité de ce que nous sommes. Chrétiens locaux de différents territoires, pèlerins, migrants, travailleurs, tous font partie intégrante de notre Église de Jérusalem aux multiples facettes. La rencontre avec l'autre, différent de soi, au sein même de notre maison, l'Église, devrait nous permettre d'écouter les autres au-delà de notre communauté. La diversité de l'Église de Jérusalem nous appelle à être une Église de plus en plus extravertie, accueillante, ouverte aux autres et à l'autre. But must enter into relationship with all whom we meet, and it encourages us to be. Nous sommes une petite église numériquement. Cela fait partie de notre identité et il n'y a pas à dramatiser. Cette situation nous rappelle que nous n'existons pas pour nous-mêmes, mais que nous devons entrer en relation avec tous ceux que nous rencontrons. Elle nous encourage à être proactifs, en particulier avec les populations et les religions qui se trouvent sur le même territoire, les chrétiens, les musulmans, les juifs et les druzes. Nous sommes l'Église mère, la mère qui engendre. Pour reprendre un dicton célèbre, Semel Mater, Semper Mater, Mère un jour, Mère toujours. Une mère engendre continuellement la vie pour chacun, dans chacun de ses gestes et de ses actes de don, d'oblation et d'intercession. Une mère ne garde jamais rien pour elle, mais elle vit pour celui qu'elle a porté. Que notre Église soit ainsi, non repliée sur elle-même et sur ses blessures, mais qu'elle se souvienne toujours que nous sommes faits pour la vie éternelle. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être une Église féconde, capable d'intercéder, de placer l'autre au centre de son attention, désireuse de toujours porter une parole d'espérance et de consolation, même dans les moments les plus difficiles, déterminée à défendre les droits de Dieu et de l'homme, attentive aux démunis, engagée à construire une communauté solidaire. Nous réaliserons alors qu'en nous tournant vers le ciel et en nous dépassant, inconsciemment, nous trouverons aussi du sens, de l'enthousiasme, de la passion et de l'énergie pour notre propre communauté. Ils ne comprenaient pas encore les Écritures. Notre Église est d'abord appelée à vivre à la lumière de la parole de Dieu qui, avec les sacrements, doit nourrir non seulement notre foi, mais aussi toute notre vie. Comprendre les Écritures change la vie et l'oriente. Elles ouvrent le cœur. Dans la parole de Dieu, nous trouvons soutien, sens et motivation dans notre service ecclésial. C'est la parole de Dieu qui oriente notre service pastoral et non l'inverse. L'Évangile parle d'une pierre roulée. Même si de nombreuses difficultés nous affligent, nous voulons affirmer que rien ne peut nous retenir enfermés dans nos tombeaux, que nous sommes une Église vivante, qu'aucune pierre ne peut arrêter ou entraver. L'Évangile nous invite à être ouverts, à regarder plus loin et à courir comme les femmes et les disciples pour annoncer qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre l'Évangile du Christ. Nous voulons être constamment en mouvement à la suite de Jésus, sans nous arrêter, sans nous enfermer dans notre propre confort. L'Église ne vit pas dans le regret de ce qu'elle était hier et elle ne se perd pas dans l'analyse continue de ce qu'elle devrait être aujourd'hui, mais elle vit le présent avec sérénité et sans crainte. Si nous voulons suivre le Christ, nous devons être en mouvement avec lui. Nos plaintes constantes sur la situation, sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés, notre lassitude,
sont peut-être compréhensibles, mais elles restent un obstacle à notre cheminement à la suite du ressuscité. Enfin, nous voulons marcher ensemble. Personne, aucun groupe, aucune institution n'a tout ce dont l'Église a besoin. Chacun est nécessaire. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Chacun a son propre travail, sa propre fonction, son propre service, sa propre identité, mais tous ensemble au service du royaume. Confions ce nouveau ministère à la très sainte Vierge, une femme forte et inébranlable au pied de la croix. Jerusalem tradition, it was here. By her example, we can overcome trials, and thanks to the action of the Holy Spirit. C'est aussi la Vierge qui rencontre le Christ ressuscité avec allégresse. À son exemple, nous pourrons tenir dans les épreuves et, grâce à l'action de l'Esprit Saint, vivre pleinement la joie de toujours nous sentir aimés de Dieu. Amen. Vous pourrez retrouver cette très belle homélie de sa béatitude, Pizzaballa, sur le site internet du Patriarcat latin de Jérusalem, www.lpj.org. Substantialem patri, per quem omnia fatta sunt, qui proter nos homines, et noter nostram salutem, descendite celis. Et incarnatus est, le Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etia pro nobis, supponsio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad dexteram patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fi. Profetas et una sanctas.
baptisma in remissione peccatorum. Congregati fratres carissimi, a dei nostri benefici a recolenda, rogemus eum ut ipse nobis vota subiciat, quae digne possit audire. Comme il est d'usage à la basilique du Saint-Sépulcre, la prière universelle sera dite dans plusieurs langues, dont l'arabe et l'hébreu, pour symboliser toutes les langues de tous les chrétiens, y compris le français. كي ينجح في مساعيه لجمع شمل المسيحيين على المحبة المتبادلة والإيمان الواحد فيصبح شهادة مشعة لإله المحبة. Per tutti noi qui presenti, perché come Giovanni in quel mattino di Pasqua sappiamo vedere e credere. Sappiamo riconoscere i segni della vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte, anche di fronte al silenzio del sepolcro vuoto, anzi, proprio nel vuoto della sua apparente assenza. Animati da una fede sempre più viva e costantemente rinnovata, preghiamo. For all the religious communities and apostolic movements in the Holy Land, that as each one lives its own charisma, they all express the true face of the one Holy Catholic and Apostolic Church. Seigneur des pauvres, aide-nous à être signe de ton amour et à avoir une attention particulière à l'égard de ceux qui, dans notre société, souffrent la pauvreté, la maladie, le manque de chaleur humaine et la solitude. Für die Jugendlichen im Heiligen Land, dass sie ihre Berufungen erkennen und hier folgen, sei es im gottengeweihten Leben, sei es in der Familie, lass sie ihre Berufung mit Freude und Begeisterung folgen. Por los no cristianos y por los que buscan al Señor con corazón sincero, para que descubran el amor inefable de Dios y sigan la voz de sus conciencias. من أجل بطريرقنا الجديد بير باتيتسا كي يهبه الرب التقدير فيضا جديدا من روحه القدوس حتى يعود الشعب الموكل إليهم بحكمة ودراية. ومن أجل أساقفتنا المساعدين وكهنة الرعاية حتى يعيشوا ويعكسوا قداسة الكهنوت. Deus qui presens vita magnosis diversarum necessitatum passionibus subiacere exaudi desideria supplicantium suscipe vota credentium per Christum Dominum nostrum. Amen. La liturgie eucharistique va commencer. Ici, en Terre Sainte, en Israël et en Palestine, la jauge pour la célébration des offices religieux et des messes est de 10 depuis le mois de mars. C'est donc une Eucharistie tout à fait exceptionnelle à laquelle
nous participons, à laquelle nous nous unissons par les ondes, de voir tellement de monde, même si c'est un tout petit peu de personnes, alors que normalement pour une telle célébration, l'église aurait dû être comble. À plusieurs reprises dans les images, vous voyez des habits orientaux. Ce sont les évêques orientaux catholiques et orthodoxes qui sont venus s'unir pour cette première messe de sa béatitude, Monseigneur Pierre-Baptista Pizzaballa. Grec orthodoxe comme grec catholique, arménien apostolique comme arménien catholique, syriaque, catholique et orthodoxe, maronite et les églises luthériennes, anglicanes sont présents ou représentés. Agitata cepimus panem, quantibio ferimus, fructum terre toperis manum hominum, ex qua nobis fiet, panis vita. Benedictus Deus in seculum. Benedictus est Domine Deus universi, qui de tua agitata cepimus vinum, quantibio ferimus, fructus vitis, et toperis manum hominum, ex qua nobis fiet, potus spiritalis. Benedictus Deus in seculum. Le latin au Saint-Sépulcre est pour le bénéfice du plus grand nombre des catholiques romains qui connaissent au moins les bases de la messe. La liturgie est celle du Concile Vatican II, dans la mesure des possibilités. J'entends par là les orientations des autels essentiellement. Orate fratres, ut meum ac vestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscite ad Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui,
abilitatem populi nostram, totiusque ecclesiae suae sancte. Sacrificio Domine Pascalibus Gaudium. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, suvor sum corda, ademus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et Vere dignum et justum est tecum et salutare, te quidem Domine omnitempore confiteveri, sed in hoc potissimo loco gloriosus predicavare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est avagnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo devestruxit, et vivitam resurgendo reve paravavit. Qua propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbem terrarum mundus exultat. Sed et superne virtutes angelice potevestavates, innum gloriae tuae convincunt sine fine dicebentes. Sanctus, 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 Santus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortusque ed occasum oblatio mundo feratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera qui tibi sacranda detulimus, et odem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo, posquam cenatum est, accipiens calicem,
et tibi gratias agens benedixi, neditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et promultis e fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, gloriae venias. Memore sigitur, Domine, eiusdem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concedeut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Sancto Iosef eius Sponso, cum Beatis Apostolis tuis et Gloriosis Martiribus, et omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec hostia nostra reconciliationis proficiat. Quesumus Domine, adductus mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco et Episcopo nostro Patriarca Pietro Battista, cum Episcopali Ordine et Universo Clero, et omni populo acquisitionis tue, voti suius familie, quam tibi astare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi pacientes in hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, quercue munda bona cuntas largiris. Per ipsum cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus divicere. Le Notre Père sera chanté en latin. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi,
expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Beato est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra se fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntate tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis cum. Et cum spiritu tuo. Non ci possiamo toccare, ma un segno di pace lo possiamo fare. Et que la paix vous parvienne à vous aussi qui vous êtes unis à cette célébration eucharistique en direct de la basilique du Saint-Sépulcre, la basilique de la résurrection à Jérusalem. Agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati su. Venerando orbus ungere, Amen.
pour cette célébration, Monseigneur Pizzaballa avait demandé aux fidèles du diocèse qui le désiraient de s'unir par la voix des réseaux sociaux et des télévisions locales à cette prière. Elle est retransmise grâce aux moyens techniques du Christian Information Center et de Télélumière pour le monde arabe. Elle diffuse ainsi dans tout le monde arabe. Après la communion des prêtres, c'est au tour des franciscains qui ont participé à l'organisation de cette célébration, des quelques fidèles religieux et religieuses et de quelques laïcs, de recevoir à leur tour la communion des mains de sa béatitude, Monseigneur Pizzaballa. Très peu de fidèles, et pourtant ce sont tous les continents qui sont représentés lors de cette communion eucharistique devant le tombeau vide du Seigneur. C'est bien l'image de l'Église de Jérusalem, Église locale, faite de chrétiens, palestiniens, jordaniens, israéliens, chypriotes, mais aussi de tant de chrétiens venus servir l'Église de Terre Sainte. Dans l'ADN de l'Église de Jérusalem, il y a aussi tous les pèlerins privés de se rendre actuellement en pèlerinage, car les frontières du pays sont toujours fermées. Mais ils font vraiment partie de cette Église qui est locale et universelle, les deux ensemble. À l'image, nous voyons les représentants des églises arméniennes apostoliques et grecques orthodoxes. Parce que l'œcuménisme à Jérusalem, en dépit de ce que l'on dit, est une réalité. Les chrétiens ne forment qu'un pour cent de la population totale d'Israël et de Palestine réunis. Et les chrétiens se serrent les coudes, vivent ensemble. Il n'y a pas de famille qui ne soit pas brassée de plusieurs confessions chrétiennes.
et cette basilique de la résurrection, un lieu saint partagé entre 6 églises différentes, est le lieu par excellence de notre unité, puisque dans notre diversité, nous avons tous la foi ici en la résurrection du Seigneur. Dans la diversité des rites, des langues, des cultures, nous croyons tous à la même chose, qu'ici, le Christ est mort et ressuscité pour nous donner la vie en abondance. Depuis la galerie des Franciscains, nous contemplons l'édicule, l'écrin qui renferme le tombeau vide de Jésus, le point GPS de la résurrection. Oremus. Perpetuo Deus ecclesiam tuam pio favore tuere. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Notre Père, Pierre Battista, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, patriarche de cette sainte Église de Jérusalem, accorde, au nom du pontife romain, à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez Dieu pour notre Saint-Père le Pape François, pour nos patriarches Pierre Battista, pour la Sainte Église Notre Mère, et veillez à vivre dans la sainteté, en pleine communion avec elle. Et sans nul doute, cette bénédiction apostolique va vous rejoindre, vous aussi, où que vous soyez. Le chancelier du diocèse, le père Ibrahim Chomali, fait la même annonce en arabe, la langue du diocèse, une des langues du diocèse, avec l'hébreu et le grec. واعترف بخطاياه وتناول القربان الأقدس البركة مع الغفران الكامل فابتهلوا إلى الله من أجل قداسة حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا والكنيسة المقدسة واعملوا على أن تبقوا على كمال الشركة فيها وعلى قداسة السيرة Il nostro venerato padre Pier Battista, per grazia di Dio, designazione della Santa Apostolica, della sede apostolica patriarca di questa Santa Chiesa che è in Gerusalemme, a nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Rogato Dio per il beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Patriarca Pier Battista, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Deus qui per resurrezione unigeniti sui dignatus es vobis bonum redentionis, ad optionisque conferre, sua benedizione vostribo ad congaudere. Et cuore di mente percepistis donum perpetue libertatis, eo largente hereditatis eterne consortes efficit valeatis. Amen.
et cui resurrexistis in baptismate iam credendo, adiungi mere amini in patria celesti nunc recte vivendo. Par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez retrouver toutes les semaines sur KTO le Terra Sancta News, le téléjournal des nouvelles de Jérusalem. L'Église de Jérusalem est pour vous et elle attend aussi le soutien de vos prières. C'était Marie-Armelle Beaulieu pour le Christian Media Center, KTO et Radio Gloria.